Bonjour, à la fin de cette vidéo, vous maîtriserez la clé USB. Bonjour, c'est Thierry de la chaîne YouTube Doc Informatique. J'espère que vous vous portez à merveille et aujourd'hui, nous allons aborder la clé USB. La clé USB, c'est un objet informatique sur lequel nous pouvons déposer des données. Ces données sont des fichiers. Ces fichiers peuvent être soit du texte, soit de la musique, soit de la vidéo. Pour lire les données que contient une clé USB, repérez sur votre ordinateur un port USB disponible. Selon l'ordinateur que vous avez, vous pouvez disposer de deux ports USB ou plus. Une fois que votre clé USB est insérée dans votre ordinateur, vous entendrez un signal sonore. Ce signal indique que Windows a bien détecté votre clé USB. Mais si vous n'entendez pas ce signal, ne vous en faites pas. À partir du moment où votre clé USB se trouve dans l'explorateur de fichiers, c'est tout bon. Maintenant, pour voir la clé USB dans Windows, il vous suffit de lancer l'explorateur de fichiers. Pour ce faire, rendez-vous sur le bouton Démarrer en bas à gauche de votre écran. Faites un clic droit avec votre souris et glissez jusqu'à Explorateur de fichiers. Cliquez du bouton gauche de la souris pour valider. Une nouvelle fenêtre apparaît à l'écran. Je vais l'agrandir. En dessous de périphérique et lecteur, vous avez deux objets informatiques. Le premier concerne votre disque dur, c'est-à-dire le cerveau de votre ordinateur. Et à côté, ici, vous avez la clé USB que je viens tout juste d'insérer. Ma clé USB s'appelle 4G. Donc l'ordinateur a bien détecté ma clé USB. Si je souhaite rentrer à l'intérieur de cette clé pour voir les fichiers qu'elle contient, il me suffit de faire clic gauche deux fois sur cette zone. Et comme mentionné ici, le dossier est vide, c'est-à-dire que je n'ai aucun fichier sur cette clé USB. Donc comment mettre des fichiers sur cette clé USB? Nous allons par exemple y déposer une image. Recherchons en premier lieu une image. Donc pour ma part, je vais dans le dossier images sur ma gauche. Clique gauche une seule fois. J'ai une image ici qui s'appelle plage. Pour la déposer sur ma clé USB, il y a plusieurs méthodes. La plus simple, c'est de tout simplement faire clic gauche avec votre souris, vous appuyez sur le bouton gauche que vous maintenez enfoncé. Et ensuite, vous déplacez ce fichier sur votre clé USB. Ici, ma clé USB s'appelle 4G. Donc je glisse dessus. Vous voyez qu'il y a écrit une petite bulle copiée sur 4G. C'est effectivement ce que je souhaite faire. Je relâche. Je clique sur 4G
pour voir le contenu de ma clé USB. Et vous voyez que mon image est effectivement apparue sur ma clé USB. Dans l'explorateur de fichiers, comme vous pouvez le voir, ma clé USB s'appelle 4G. Bien entendu, vous pourrez lui donner le nom que vous souhaitez. Pour ce faire, cliquez sur votre clé USB. Faites clic droit avec le bouton de votre souris et glissez jusqu'à Renommer. Cliquez gauche maintenant pour valider votre choix. Et là, vous pouvez donner le nom, un nom à votre clé USB. Donc je vais l'appeler tout simplement clé USB. Et je valide avec la touche Entrée de mon clavier. Et vous voyez maintenant que ma clé USB a changé de nom. Maintenant, pour éjecter cette clé USB de mon ordinateur, il ne faut pas l'éjecter tout de suite. Il faut d'abord l'éjecter virtuellement depuis l'explorateur de fichiers. Pour ce faire, vous placez votre curseur de souris sur votre clé USB. Vous faites clic droit et vous glissez jusqu'à éjecter. Pour valider ce choix, vous appuyez sur le bouton gauche de votre souris. Un message en bas à droite s'affiche pour vous signaler que votre clé peut maintenant être retirée physiquement de votre ordinateur. Donc là, vous pouvez la retirer de l'ordinateur en toute sécurité. Un signal sonore vous confirmera l'éjection de votre clé USB. Et maintenant, une petite astuce pour finir cette vidéo en toute beauté, pour que Windows vous montre tout de suite le contenu de votre clé USB dès qu'elle est insérée. Insérez à nouveau votre clé USB dans l'ordinateur. Donc là, dans l'explorateur du fichier, vous voyez qu'elle est apparue, mais qu'on ne voit pas encore son contenu. Donc, pour voir son contenu automatiquement dès qu'elle est insérée, placez votre curseur sur votre clé USB. Faites clic droit avec votre souris. Glissez jusqu'à ouvrir la lecture automatique. Ensuite, validez avec votre bouton gauche de la souris. Et vous voyez qu'une fenêtre est apparue, vous proposant diverses options liées à votre clé USB. Donc vous glissez votre curseur jusqu'à ouvrir le dossier et afficher les fichiers. Donc vous cliquez gauche sur cette option. Et voilà, une fenêtre est apparue pour vous montrer le contenu de ma clé USB. Maintenant, on va refermer toutes ces fenêtres pour vérifier que Windows affichera automatiquement le contenu de ma clé USB. J'ai oublié d'éjecter la clé, donc je repars sur ma clé USB. Clic droit, éjecter. Là, je la retire physiquement de mon ordinateur et je la réinsère. Et voilà, comme vous voyez, nous sommes ici effectivement dans ma clé USB et nous voyons ici l'image qu'elle contient. Sans avoir cliqué, Windows m'a automatiquement montré ce que ma clé USB contient. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo.
J'espère qu'elle vous a bien aidé. N'hésitez surtout pas à la partager autour de vous afin d'en faire aussi profiter vos amis et vos proches. Bye bye!